L'Iran souffre énormément de la pandémie du coronavirus. Dès le début de la crise, le pays est venu en aide à la Chine, considérant qu'il fallait atténuer la menace avant qu'elle ne touche ses frontières. L'Iran a tout de suite monopolisé toutes les forces du pays, que ce soit les services médicaux, les gardiens de la révolution et personnels politiques ou religieux, entre autres. Les rues du pays sont nettoyées tous les soirs et les mesures de prévention sont respectées avec rigueur. Et cela malgré le fait que l'embargo américain sur les médicaments perdure. Un embargo dénoncé uniquement par la Chine et la Russie qui demandent sa levée immédiate. L'épidémie de coronavirus s'étend en Iran. Beaucoup ici considèrent que les sanctions américaines entravent les efforts du pays pour contenir le virus. Mahmoud Sadeghi fait partie des hommes politiques iraniens touchés par le Covid-19. Le député est guéri depuis la semaine dernière mais accorde cette interview via visioconférence. Il présente une pétition adressée à l'OMS pour soutenir la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Les sanctions américaines rendent plus difficile la lutte contre le coronavirus. We all know that sanctions have an impact not only on the specific economic targets but also on the livelihood of the population and also on the health sector.